Là, il y a un micro, vous m'entendez Voilà. Voilà, et là j'ai remis un micro. Un micro apocalyptique. Le son doit être. J'ai plus de retour, il n'y a plus rien. Au moins, je vous m'entendez, là. Voilà. Voilà. Là, vous avez du son. Putain de merde. Je suis grossier. Mauvaise, mauvaise journée qui commence. Allez, on recommence. Eric ah, hein, Vous connaissez Eric Wirt, ça fait trois fois que je l'ai fait. Il a planté Valérie Pécresse. Voilà. Parce que Valérie Pécresse, il dit qu'elle a pas l'envergure. Il dit c'est pas bon. Alors. Il dit la politique est faite d'intuition et j'ai l'intuition qu'elle sera, euh, qu'il sera, pardon, Emmanuel Macron, bien entendu, qu'il sera un très bon président de second mandat, confie l'ancien ministre du Budget, de Nicolas Sarkozy. On va, on va voir le CV, le pedigree d'Eric tout à l'heure. Euh, donc il glisse en creux que la campagne manque de perspective. Voilà, il est, Eric Vautier, s'est dit, pff, je ne sens pas. Je ne sens pas. Je pourrais peut-être peut faire un petit mise de l'économie. Je pourrais peut-être remplacer Bruno Le Robon. Je ne sais pas. On pourrait, euh, on pourrait faire quelque chose. Voilà. Donc, Oui, Eric a rejoint Manu. Voilà, C'est ça. Eric a rejoint Manu. C'est l'information. Alors c'est rigolo parce que euh, lui, il fait ça pour son pays. Hein, et puis il fait ça parce que c'est un homme politique de, de, de premier plan, euh, Eric Wirth. On va voir. Ça. Je vous dis, on va voir. J'ai sa fiche Wikipédia. Voilà. Ne dites pas, Timmy, que j'ai dit des gros mots. Je, je, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé d'être grossier. Je vais être poli jusqu'à la fin de cette petite euh, pantalonnade. Donc, euh, du coup, Eric Wertz, il a d'abord appelé Nicolas Sarkozy. Parce que, oui, au ELR, le vrai patron, c'est Nicolas Sarkozy. Ils peuvent pas faire un truc sans d'abord en référer à Nicolas Sarkozy, qui lui, c'est s'est pas encore mouillé, on va en parler après. Il n'a pas encore dit pour qui il allait voter. Mais, Wertz, allô Nicolas, oui, écoute, je vais soutenir Valérie. Ok, ensuite il a appelé Christian Jacob, voilà, euh, et ensuite il a appelé Valérie Pécresse pour dire écoute, Valo, je suis désolé, mais euh, bon, entre toi et moi, c'est fini. C'est une pipe, je, je vais rouler pour pour, pour Macron. Voilà. Donc le grand chef de l'air Christian Jacob a confié avoir beaucoup de déceptions et de regrets, tout en administrant tout en administrant un tac à son désormais ancien camarade. Ses affaires judiciaires ont sans doute beaucoup pesé parce qu'il est un petit, il est, il, est, il est suivi dans quelques affaires. Et c'est un type il, dès qu'il arrive un truc, il, il y a une enculade. C'est toujours ça, optimisation fiscale. Enfin, vous allez voir Andersen, vous allez voir ouais, exactement ingénierie sociale. Bon ça les frères, je vois qu'il y en a qui suivent euh, le, le dossier, on, on va aller voir sa fiche Wikipédia tout de suite. Voilà. Donc, euh, donc, il est persuadé que, bah voilà, s'il roule pour Macron, Macron va essayer de l'arranger un peu, voilà, qu'il ait moins de, moins de petits soucis. Notamment, de ces deux problèmes, bah c'est le financement libyen, ça c'est le gros le gros morceau à faire passer. Et ensuite, c'est dans, le, dans, dans le, comment on appelle ça, dans l'affaire dans tapis voilà, il a été un peu cool avec avec tapis, voilà. Et il se ferait bien, euh, effectivement, le, la place de Bruno Le il se verrait bien en ministre du Budget. Ou voilà, il y a des gens qui ont réussi, le maire a réussi, euh, Darmanin a réussi, peut-être qu'il pourrait réussir lui aussi. Et se sentir bien dans ses pompes euh, dans le grand parti euh, du gouvernement. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Le timing, en tout cas, n'a rien d'anodin. Alors que Valérie Pécresse tient ce dimanche un meeting aux années de Paris, censé être une nouvelle phase de sa campagne, vous croyez qu'on l'aurait fait exprès Ce ne serait pas sympa, ironise un pilier du groupe euh, LRM. Non, ce n'est pas très sympa, en fait. Ils sont pas très sympas entre eux. Voilà. Et puis, Eric Wirtz dit « J'ouvre une voie ». Voilà. C'est contenté de répondre Wörth, fan d'alpinisme, on va en revenir aussi tout à l'heure à l'alpinisme, en attendant Sarko, disséministe, macroniste du bluff. Donc la grande question, c'est est-ce que Sarkozy va suivre euh, Wörth, ou est-ce qu'il va suivre Macron, ou est-ce qu'il va finalement se rallier à sa fameuse famille politique. Donc c'est toujours rigolo de voir ça. Et puis, voilà, Eric Wörth, pour vous montrer qui est Eric Wörth, il l'alpinisme, ça c'était une photo qu'il avait mise sur son compte euh, sur son compte euh, euh, Twi Twitter, pardon, Twitter, c'est Twitter. Là, vous voyez, il est en train de alors, les, les, à l'époque, hein, on, on il y a 2-3 ans, 4 ans, je ne sais pas cette image-là, elle date de... Je n'ai pas la date de la photo. J'ai la date de quand j'ai pris la photo. mais voilà. Et en fait, les, les, les Twitter, c'était... Donc il y a un problème déjà de, bah, de clairement de gravité. On voit la fermeture éclair là, de, sa, de sa veste, qui est quand même euh, bizarrement attirée par, le, par, la, par la paroi, impressionnant. Et puis, tout en bas, on a ici des amis de derrick qui sont là, qui marchent. Qui marche au contre les murs en fait, voilà donc ça avait fait marrer tout le monde à l'époque. Voilà, il y a eu en sait des petites reprises comme ça de, avec Tom Cruise dans je crois cette émission impossible. ça. Voilà, puis après il y a eu des photos, les mecs sur Twitter se sont marrés. Donc le type c'est euh, notre ami, euh, notre ami Eric. Alors je vois qu'il y a Hippatie d'Alexandrie euh, qui euh, connaît bien le dossier Eric Wurtz. Alors le dossier Eric Wurtz, j'ai sa fiche Wikipédia. Je vais vous trouver sa petite fiche Wikipédia et vous allez voir qu'Eric Wirtz, il est quand même. C'est un mec super. Eric Wirtz, il est top. Tac, voilà. Voilà, donc Eric Wirtz, on va commencer. Il mène à près de 80 carrières professionnelles dans le domaine du conseil d'entreprise. Vous savez, c'est les mêmes aujourd'hui que les Bain, que toutes les sociétés qui conseillent nos ministères. Voilà, euh, il est recruté chez Arthur, Ander Arthur Anderson, donc qui aura fait faillite après dans une affaire Enron en fait, parce qu'ils ont ils ont validé des chiffres qui étaient complètement faux. Il y a un géant de, de, du pétrole qui s'est effondré aux États-Unis et les chiffres avaient été bidonnés. Alors pas directement par ce hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, c'est le conseiller en entreprise. Voilà, euh, où il s'occupe d'optimisation fiscale, voilà, pour le compte de riches clients comme Elton John. Alors je ne sais pas si vous imaginez le délire, c'est fiscal d'Elton John voix magnifique de la, de la pop culture mais ça, ça, ça rend sympathique sympathique voilà. puis ensuite au sein du cabinet Brossard consultant après un passage à Péchiné avant de revenir 16 ans plus tard chez Arthur Andersen où il est spécialisé en tant que directeur non associé dans l'audit des collectivités locales et des administrations voilà. euh, entre 86 et 90 il est successivement directeur général vice-président puis président de l'AODO donc l'agence pour le développement de l'Oise il a comme euh, adjointe euh, la trésorière occulte du RPR, Louis yvonne Casetta, la, la Casette, la Cassette, il appelait. voilà, qui était, le, qui était la, la financière de, de tout le RPR à l'époque. Donc il a, été, il a eu des, des très bons collaborateurs. Euh, et puis, voilà, donc, quand il est quitté, euh, il a reçu une prime de contrat équivalent à 5 mois de salaire que la Chambre des Comptes euh, qualifie de pure libéralité. Voilà, et ce rapport s'interroge sur les audits commandés par l'ADO, dont certains sont assimilés à des subventions en direct. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait bosser son ancien employeur. Donc, il, a, il envoie un peu comme tout le monde fait, vous savez, aujourd'hui, dans, le, dans le, le, les retours publics-privés. Voilà. Voilà comment ça marche. Euh, donc, dès le début, le mec, le grand truc à lui, c'est la carambouille. C'est toujours... Euh, L'important, c'est peut-être s'en sortir. C'est que lui, s'en sorte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ensuite Donc, ensuite, il a une petite carrière au, au RPR. Il s'est fait élire député de l'Oise. Euh, C'était un chiraquien. Et ensuite, il s'est rapproché de, de Nicolas Sarkozy. Voilà. En 2007, il est le président de l'association de financement euh, de la campagne de Nicolas Sarkozy en tant que trésorier de l'UMP. Il continue à récolter des fonds auprès de donateurs potentiels. Sa mission est un succès puisque le candidat Sarkozy reçoit 9 millions d'euros sur les noms de personnes physiques, loin devant cette grosse nulle de Ségolène Royal qui, elle, n'a récupéré que 700 000 euros. Il est très bon pour récupérer du fric. Voilà. Voilà. Euh, et sa femme s'occupait bien entendu du patrimoine des bêtes en cours. Et euh, bon, alors, il a été dans cette affaire-là, il, il a été blanchi. Hein, L'affaire euh, était dingue, hein, bien entendu. En tout cas, ils s'en étaient sortis. Voilà. Je parle de qui Je parle d'Eric Wirtz. Excusez-moi, je, euh, je suis fatigué, agacé par ce début de, 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 de foirage. Je parle de lui, je parle du meilleur Eric Wirtz. Voilà. Eric Wirtz, le, le, le type qui vient de lâcher euh, Valérie Pécresse. Pour, pour, pour Emmanuel Macron et puis si on regarde ça donc il a été secrétaire d'état à la réforme de l'état c'est un bon, un bon mec dans le gouvernement de Raffarin III de mars 2004 à mai 2005 sa tâche principale est d'appliquer la règle de non remplacement de la moitié des fonctionnaires partant à la retraite c'est son job principal donc il vérifie, puis quand un mec il dégage il en remplace qu'un sur deux voilà. c'est comme ça voilà, et puis euh, alors il y a plein de choses rigolotes dans sa fiche Wikipédia hein, qui est vraiment un, un casier judiciaire. Il est à l'origine en janvier 2020 d'une proposition de résolution invitant le gouvernement à assouplir les futures règles bancaires internationales. BAL 3. Voilà, donc il faut simplifier, c'est trop compliqué pour les banques. Il y a trop de contraintes. Il faut que les banques il puissent il puisse, puisse libérer les énergies. Vous savez, c'est important de, de libérer les, les énergies. Voilà, et puis ensuite affaire judiciaire. Donc il, est, il y en a plusieurs. Donc, affaire de l'hippodrome de Compiègne. Alors c'est marrant, je connaissais, le, 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 je connaissais bien les personnes qui ont vendu le hippodrome de, de, de Compiègne à Monsieur Ce n'est pas vraiment ce qu'ils me racontaient, mais en tout cas, il y a eu un le lieu. Affaire euh, Wörth-Bétancourt », il a été relaxé. Voilà, c'est dans le financement de la, de la campagne électorale, il y avait tout le monde qui prenait du blé. Cette pauvre vieille personne qui était Liliane Betancourt. Euh, tout le monde la, tout le monde la, je pillée. Et notamment par. Notamment par euh, déjà par ses employés, et puis est-ce qu'il y a eu un petit peu d'exfiltration de, de pognon euh, vers l'UMP vers à l'époque Non. Voilà. Ça, le, le, le juge a dit non. Et puis ensuite, il y a quand même deux grosses affaires en cours. L'affaire Sarkozy-Kadhafi, donc ça c'est le gros, le gros dossier, vous savez, c'est le financement de 2007 de la campagne de Sarkozy, des, beaucoup d'espèces de, beaucoup qui circulaient à l'époque. Et puis ensuite, il y a l'affaire du Crédit Lyonnais à faire tapis, où il a été large en fait. Voilà, il a été, il a été assez large. Voilà. Donc voilà notre ami Eric Wirtz. Donc c'est une belle prise pour, euh, c'est une belle prise pour la, pour la Macronie, on va dire ça comme ça. Ils sont assez contents du, du truc. Voilà. Et euh, et voilà. Voilà notre ami Eric Wirtz. Alors Eric, Eric Wirtz, il est il est interviewé, ça c'était, oui, ça c'est, voilà, je suis en train de tout foirer, hein, j'annonce tout, voilà, là il est avec, euh, avec Valérie Pécresse, ça c'était quand elle usait des, des petits trucs, euh, des petits moments sympas entre eux, et puis voilà, donc il dit, on lui dit, dès qui explose, hausse de la CSG, vous n'avez pourtant pas épargné Macron depuis 2017, tout est pardonné, alors il dit, j'ai évolué, la présidence d'Emmanuel Macron aussi, j'assume mes propos passés, il n'a pas dépensé plus que les autres présidents, contrairement à ce que j'ai pu lire, il n'a pas cramé la caisse. Alors, cramer la caisse, c'est l'expression de Valérie Pécresse, j'adore cette expression, il a cramé la caisse. Plus que jamais, j'ai la même conviction, nous ne choisirons pas librement notre destin sans la souveraineté économique et financière. Voilà. Quand on voit le taux d'endettement de ce qu'on a fait pendant le, pendant le Covid, euh, il est, le mec, il est souple, hein, il est quand même euh, très souple. Vous évoquez des injustices, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'Emmanuel Macron les résorbera Eh oui, c'est vrai. Et eh oui. J'ai évoqué ces points avec lui, il est très sensible. Emmanuel Macron, il est, il est sensible, et quand il a vu le truc d'Orphéa, il était. Oh Putain, il, était, il est sensible. Voilà. Je prends le pari qu'Emmanuel Macron est sincèrement réformateur et qu'il saura utiliser la liberté de son second mandat. Voilà. Il va réformer, il va libérer les énergies, ça va, être, ça va être sublime. Vous allez voir, ça va être bien. Ça va être, un, ça va être super. Voilà. Emmanuel Macron vous a-t-il promis un poste Non, il n'y a pas de condition à mon soutien. Lui, euh, c'est un mec qui il il fait tout, il bosse gratuit, lui. C'est un mec qui fait ça pour, pour la beauté du geste. Voilà. J'ai exercé beaucoup de responsabilités. Voilà des Plus locales jusqu'au gouvernement, ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt du pays. Le mec, il est pas non, ce qui... c'est, pour nous qui fait ça. Là, oui. et vous, le bande d'enfants, mmh. rien vous êtes, vous êtes, vous êtes euh, en train de vous moquer de lui. Euh, c'est pas moche, c'est pas beau. Hein. Je ne veux pas me mentir à moi-même. Ce serait tellement plus confortable de dire que je soutiens Valérie Pécresse. Il pense qu'il pense qu'il a plus de plus de chances. Valérie Pécresse. Et là, il dit, moi, c'est comme ça, c'est cadeau, ouais, c'est magnifique. Alors, il y a plein de gens qui arrivent, qui se demandent où sont Alexis parce qu'on a eu énormément de nouveaux abonnés euh, ces derniers temps. Euh, moi je suis Antoine de Decker, je suis la doublure d'Alexis les jeudis en général. Euh, Alexis, il est, euh, il est dans le jacuzzi en et hein. il apprendait dans le jacuzzi, c'est ça non, il enregistre une émission avec d'Artagnan. C'est le, le, le choc des éditos et le jeudi souvent c'est moi qui le remplace. Les deux dernières semaines, euh, il était il était disponible donc c'est lui qui a tout fait. Et là, voilà, donc vous verrez souvent le jeudi pour les nouveaux abonnés, alors je... est-ce que vous êtes revenus, combien vous êtes Vous êtes 394, vous êtes no... ce qu'on appelle le noyau dur, voyez-vous, le, 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 le noyau dur, j'ai pas dit les noyaux durs, le noyau dur euh, de, du, de la revue de presse du monde moderne, voilà, donc je vous accompagne aujourd'hui, euh, et ça a été un fourrage total, ça a été une reprise très dure pour moi, tout a planté, j'avais pas de réseau, j'avais pas de caméra, j'avais pas de son, euh, j'ai fait la moitié de la revue de presse sans micro, enfin c'est un, 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 un grand moment. Pour, pour moi et pour vous surtout. Donc voilà. Et puis à la fin, il finit parce que c'est ça la grande question. Vous êtes proche de Nicolas Sarkozy. Savez-vous ce qu'il pense de votre démarche Ce qu'il a appelé, hein, on l'a vu tout à l'heure. Non. Je me garderai bien de parler en son nom. Je suis attentif à sa liberté. Je note qu'il n'a pas encore pris position. Je note qu'il n'a pas encore pris position. Voilà. Donc les paris sont ouverts. Euh, moi, je parie qu'ils vont tous se barrer maintenant. Euh, chez Macron. Voilà. Je pense que c'est fini, qui va rester Christian Jacob, Valérie Pécresse et, euh, et quelques derniers euh, losers. Voilà. On a tout compris. Vous m'entendez, vous m'entendez pas Un petit marre Non, j'ai bu du whisky hier pour ma... Je suis Covidé, je ne sais pas si je vous ai dit, en début de truc, j'ai chopé le, la pangoline. Et euh, je suis déçu, hein. c'est que je suis, je suis un, peu, un petit peu snob. Et euh, je portais pas mon. J'étais à Paris, voilà. je ne portais pas mon, mon, mon élastique. Et euh, voilà. Et j'ai chopé le Covid à Paris, comme un, comme un, comme un, comme un cave. Et pour le jacuzzi, c'est promis. Voilà. Dès que j'arrive à 1000, alors c'est sûr qu'avec ces pains techniques, je risque pas grand chose, hein. je risque pas de passer les 1000, mais voilà. dès qu'on fait un stream propre et que je passe les 1000, je suis dans le, dans le jacuzzi avec Alexis, voilà. Donc, euh, bonne nouvelle, pour ceux qui aiment la guerre, la France a un nouveau blindé de l'armée française, c'est le Jaguar. Vous c'est le Jaguar Donc, il est un véhicule sur roue qui peut porter, donc il fait 25 tonnes, il est équipé d'un canon et peut embarquer quatre missiles sur le sol sol anti-char. Il servira pour des missions de reconnaissance et de combat. Il ressemble beaucoup au, au truc que le, la police a pris là. On dirait vraiment, vraiment. Euh, on dirait vraiment ça. On dirait vraiment le, le un véhicule fait pour. Vous et les, les gilets jaunes qu'ils avaient pris au, au début là. Voilà, c'est bien, c'est ça. Bah, ouais. Mais Tanguy, 944, voilà, c'est top. Alors l'avantage des roues, c'est que l'engin est plus rapide et moins destructeur euh, sur les routes qu'on utilise. Voilà. Parce que, euh, quand il y a le, le, le défi du 14 juillet, les, les routes sont ravagées par, le, par, le, par les chars en fait. À faire, il faut repasser, il faut toujours mettre un peu de coudron parce que c'est bien esquinté Et donc voilà, ça c'est un petit truc anti-émeute. Donc euh, il a une vocation à être exporté. Voilà, il est très polyvalent. Voilà, il est issu du programme Scorpion. La guerre, c'est fantastique. Parce que c'est notre truc, hein, la guerre. On y va, la guerre. Il faut, 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 faut s'y habituer. Voilà. Donc, l'équipage compose de trois membres, ainsi qu'une version des unités. Ad... Euh... Je comprends rien. Je comprends rien. Euh... Bon, c'est super. Voilà. Il remplace le griffon. Euh... C'est le Jaguar. Il est très polyvalent. Il est idéal pour les rails blindés. Voilà. Donc, c'est super. Hein. Allez, Cocorico, on a un beau matos. Euh, très poli, très invalidant, c'est ça. Vous êtes bon. Et puis regardez, quand on parle de guerre, regardez comme il est content. Mais putain de merde, regardez comme il est content de sa stratégie de reconquête de l'atome. Putain. Voilà. Allez, on relance le nucléaire à Belfort. C'est. Alors ça nous coûte une blinde, ça aussi. Euh, c'est donc sur le site de l'américain General Electric avant était à nous. Voilà. Merci, Egotip, euh, de nous suivre. Tu, tu es complètement fou de suivre ce truc-là aujourd'hui. Sur le site américain donc, de Général électrique, le conglomérat qui avait racheté Alstom il y a plus de 7 ans, euh, sa branche énergie dont la partie nucléaire va, revenu, va être revendue à EDF, qui Emmanuel Macron à jeté son dévolu. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a 7 ans, on a vendu... Euh, Alstom, c'est une grande entreprise française, je vous le simplifie. Hein. Euh, on a vendu... Euh, on a vendu... On voit rien sur les articles, pas la peine de zoomer. Bah je vous mets, je vous mets papa. Voilà, papa il est content. Je sais que ça vous fait plaisir. Voilà. Donc en fait c'est ça. Tanguy a très bien résumé le truc. Voilà, ça c'est du business. Lui son truc à lui c'est la fusac. Ah, Emmanuel Macron, c'est la fusion-acquisition. Lui ce qu'il aime c'est ça. Donc il a vendu euh, une bouchée de pain la section nucléaire d'Alstom. Et Alstom fabrique des turbines. Ils font pas des réacteurs, ils font des turbines. Les turbines c'est ce qui en gros transforme le merdier est une centrale nucléaire en, en qui tourne et qui fabrique de l'électricité. Ces turbines, elles sont dans toutes nos centrales nucléaires, Cocorico, dans notre porte-avions et dans nos sous-marins nucléaires. Voilà. Et lui, euh, dès qu'il a récupéré la gâche de, de ministre de, de l'économie, après que c'était le qui était du redressement productif, c'est fait virer par Hollande parce qu'il était un peu trop agressif, euh, tout de suite, premier truc. Il a vendu à General Electric. Donc General Electric a récupéré les brevets, l'a recherche et le développement, les plans des trucs, et les fameuses turbines s'appelaient les arabelles, qui étaient le, le top du top du top. Voilà. Donc on a, il y a le chantage d'un cadre en prison, non Mais c'est fou. Il y a, beaucoup d'interviews. Il y a ce cadre effectivement qui a passé un peu de temps en prison. C'est une guerre économique terrible. Hein. Voilà. Macron n'a rien à foutre. Il a fondu ça à General Electric. Et euh, et euh, et voilà. Donc il dégage le truc. Alors, pourquoi maintenant il le rachète Alors, comme dit euh, Tanguy, on, rachète un, on le vend 1, on le rachète 30, puisque le mec était un, un, un pro en fusac. Moi, je zoome pour lire, parce que j'ai pas mes lunettes. Euh, après moult report de calendrier. le président de la République qui présente ça, sa stratégie de reconquête du marché de l'atome. Celle-ci passera dans un premier temps par la commande de six nouveaux EPR. Nouvelle génération, une fois celui de Flamanville euh, aurait été finalisé. Alors, celui de Flamanville, je crois qu'on est à 10 ans, 15 ans de dépassement. Il n'est pas fini. La cuve fuit. Euh, bon... Bon, en tout cas, quand on l'aura fini, celui-là, quand on saura faire, on va en faire six nouveaux, mais une nouvelle génération. Donc, quand on aura pris du premier, on ne le fera pas sur celui-là. Euh, et ensuite, euh, avec sans doute huit réacteurs supplémentaires en option, ainsi que le développement de petits réacteurs modulaires, de petits, petits réacteurs nucléaires que vous aurez dans, dans votre, je sais pas, dans votre, patin, dans votre maison. Je ne sais pas, je sais pas la taille du truc, Je n'y connais rien, en atome, en vrai, je ne suis, suis pas un expert de tout ça, en tout cas, voilà. Et tout ça, c'est pour 2050, à horizon 2050. 2050, c'est un temps raisonnable, c'est 35 ans, comme on dirait Alexis. Voilà. Euh, voilà, les deux tiers de l'énergie que nous consommons aujourd'hui proviennent du fossile. Il nous faut sortir de cette dépendance dans un contexte où nous allons consom consommer 35% d'électricité en plus d'ici 2050. Voilà, donc, euh, donc voilà, donc, bon, bien sûr, euh, Macron mélange gueule indépendance industrielle ou opération politicienne, Emmanuel Macron arrive à Belfort aujourd'hui pour annoncer la relance du parc nucléaire français et le retour dans le giro français de la partie nucléaire de la branche énergie de générateur électrique rachetée par EDF. Voilà. Donc bon, EDF, ça va, il va, il, ça va coûter des ronds. Hein. Euh, je crois qu'on voit après plus tard, j'ai un petit article qui parle de ça. Euh, voilà. Alors effectivement, je vous lis dans le, dans le chat, vous me perturbez, hein. il a un grand nez, il a un grand nez, Madame Macron, ça dépend de la focale qu'on utilise. Et, euh, et il n'est pas encore candidat officiellement, on va en parler aussi tout à l'heure. Et surtout, euh, et c'est pour ça que Vladimir Poutine l'a mis au bout de la table. Hein. Fous-moi la paix. Qu'est-ce qu'on apprend Donc, ça, c'est dans, dans, le, dans le parisien, je crois. On lit le parisien. On lit le parisien. Total fait un geste commercial. Voilà. Alors, Total, ils sont emmerdés parce qu'ils vont se palper un pognon cette année en termes, de, en termes de dividendes. Ça va être apocalyptique. Et là, ils disent qu'on fasse un truc pour les, pour les, pour les gueux. Voilà. Donc, on va leur faire un petit, un petit geste. Un petit geste commercial, on va leur faire. Euh, le groupe pétrolier va proposer à ses clients une remise sur ses carburants ainsi qu'un chèque gaz de 100 euros. Il devrait publier des résultats records aujourd'hui. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Donc, euh, donc, moi, j'ai pas de bagnole. Donc, euh, ça, si, je n'ai pas, pas de bagnole à moi. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas le permis de conduire en tout cas. Voilà. Je ne conduis pas de voiture. Euh, donc, premier point, chèque gaz envoyé. Euh, de 100% qui sera envoyé sous forme de remise sur les prochaines factures euh, à 200 000 clients du géant pétrolier ayant déjà bénéficié du chèque énergie du gouvernement. Donc il double le truc du gouvernement. Allez, ça, c'est cadeau. Voilà. Et alors, tout de suite, euh, tout le monde ne suit pas content. Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir un grand groupe pétrolier, tendre la main aux consommateurs. Ça va donner un peu d'air aux familles. À saluer François Carlier, délégué général de l'Association des consommateurs. Voilà. Et puis ensuite, Total Énergie va accorder une remise de 10 centimes par litre, soit un équivalent de 5 euros pour un plein de 50 litres dans les 1150 stations de service de groupe, situées en zone rurale. Voilà. Donc voilà, tu sais, on fait un, un petit cadeau, un petit geste, un petit geste commercial. Ensuite, euh, ensuite oui, alors moi, j'ai vous savez, ça fait euh, trois semaines que je ne suis pas venu ici vous faire la revue de presse. Je lis quand même la presse tous les jours, et puis on a l'impression qu'il ne se passe rien, en fait, en trois semaines. En fait, si, tout est, tout est fou. Il y a eu le convoi de la liberté en, en, au Canada, il y a la version française qui arrive. Alors la version française, vous savez, c'est... C'est comme une série télévisée euh, française d'adaptation américaine. Il y a moins de moyens. C'est-à-dire que les, 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 les routiers ne sont pas propriétaires de leur camion. Donc, il n'y aura pas de gros... Bah, rajouter, donc il va y avoir du camping-car. voilà Donc, le Parisien se fout de la gueule, mais entendu, de ces gens-là. Voilà. « Si Macron démissionne, je sable le champagne. » Dans son van gris spécialement aménagé pour aller jusqu'à Paris, voir Bruxelles, Bettina a embarqué trois bouteilles au cas où. Cette femme de 61 ans qui a joué sa carrière de masseuse il y a un an après un ennui de santé s'est lancée hier matin sur le trajet rouge du Convoi de la Liberté cette première branche a atteint Avignon dans la soirée. Voilà. Donc, apparemment, ça a été interdit par le préfet de police. Alors, ça va être un convoi principalement de, de camping cars et pas de pas d'immenses de, camions américains monstrueux, de camping cars avec des, des braves mecs dedans, des braves femmes dedans. Et il y a l'Allemand qui attend. L'Allemand, là, il est, lui, il a ses, il a ses, il a ses véhicules euh, qui ressemblent un peu à ça, en fait, voilà. pour être très honnête, qui les attendent à Paris. Et euh, c'est beau, c'est courageux. Je, je, je reste admiratif de, de ça voilà. je reste admiratif euh, non je suis en vélo j'ai pas de trottinette j'ai un vélo j'ai un joli vélo euh, des années qui a mon âge qui a 40 piges je suis, assez, je suis un peu snob vous savez voilà. j'ai un vélo j'ai pas de trottinette voilà alors euh, bon les gens sont énervés hein. voilà. Macron veut emmerder 4,7 millions de non-vaccinés c'est nous qui allons l'emmerder ça emporte Philippe 64 ans qui fait le parcours à moto dans le sud de la France, le convoi qui circule autour de 60 km h gonfle environ une centaine de kilomètres, une centaine de véhicules sur la portion finale du jour entre Aix et Avignon. ils croisent des marques de sympathie plutôt que d'hostilité. Voilà. Alors les flics se renseignent, un mouvement loin d'être solidement structuré, mais qui sera suivi avec attention, voilà comment euh, parlent les, les gendarmes de, du renseignement territorial, c'est un peu les ex-RG, datés du 7 février. Donc si on pu prendre connaissance, voilà. Donc, c'est euh, un, un autre truc populaire, un convoi de la liberté, copié sur les machins US avec moins de moyens. Voilà. Voilà, voilà. Euh, et ça va être violent, hein, si les mecs arrivent à Paris, euh, je pense que ça va pas être un truc euh, cool hein, avec. Euh, avec euh, comment il s'appelle euh, L'Allemand qui les à Paris. Je, ça, va être, ça va être pénible, je pense. Voilà. Euh, Luc Montagnier qui est décédé, alors Luc Montagnier j'ai pas, pas vu sa bio, c'est tombé pendant, le, pendant que je préparais le, la revue de presse, j'ai pas vu l'information qui est décédé, qui est le, le, le découvreur du, du sida si je dis pas de bêtises, je passe sous votre contrôle qui avait eu des propos euh, au tout début, du, euh, au tout début du, du Covid qui avait été euh, fortement décrié aujourd'hui on revient un peu sur ce qu'il dit euh, co-découvreur on dit co-découvreur, c'est ça le mot euh, voilà, donc qui est, qui est décédé aujourd'hui j'ai pas de... J'ai pas d'opinion précise sur, sur tout ça. Et euh, ouais, le, le professeur, mais pas, pas, Gilbert, le, pas Gilbert le chanteur, et, qui est grâce à Dieu toujours avec nous. Euh, voilà, et effectivement, le syndicat de en français n'iront pas, ne pourront pas participer à, à ce truc-là. Voilà. Il y a eu, il y a eu un, une avance. Challenge. Alors, challenge, c'est rigolo parce que c'est un des journaux, de, un des journaux, pardon, de, un des magazines de, de Bernard, Bernard Arnault, L'homme qui enquête. Voilà. Parce que Bernard Arnault est. Et Vincent Bolloré et Vince, il se tient un peu la bourre. Donc, Challenge appartient à Bernard Arnault. Donc, euh, donc on tient un peu sur l'homme qui inquiète. Alors, dans Challenge, vous savez, moi, ce que j'aime bien, c'est les petits, les petits confidentiels, c'est les petites euh, capsules comme ça. Et, euh, et c'est assez rigolo. Il y a plein de choses. Alors, Julien de Normandie, euh, qui devait copiloter la campagne du candidat Macron, voilà, qui devrait, qui devrait, qui devrait, c'est du, du conditionnel, ainsi, il se présente. Et déjà évoqué en cas de réélection du président pour la succession d'Alexis Collère. Alors, Alexis Collère, qui est un peu le cerveau gauche d'Emmanuel de, Macron, le cerveau créatif d'Emmanuel Macron, euh, étonnant, on verra. Alors, et là, et là ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron sera suivie d'un blitzkrieg de communication de deux semaines à partir de la publication d'une longue liste d'élus de toute tendance le soutenant. Voilà. C'est que là, les mecs vont aller à la gamelle. Donc, ils vont taper la gamelle avec une cuillère en fer, et les mecs vont tous arriver. Et ça va être un Blitzkrieg. Vous le Blitzkrieg, c'est la guerre éclair de, de la Wehrmacht et la doute va faire. C'est un concept très spécial hein, de, de foutre sur la gueule très fort et très vite. Donc, ils sont en train de préparer. Wörth, c'est le premier arrivé Parce que Wörth, il le fait tout de suite parce qu'il aimerait arriver la gamelle le premier. Il n'est pas con, il a bien compris le truc. Enfin, voilà. Euh, alors, du côté, euh, côté Lémuriens, ils comptent sur leur aliment prochain de Florent Philippot. Voilà. Alors, Florent Philippot, il n'aura pas ses 500 signatures. Il ne peut pas revenir en rassemblement national. Et lui, il va tenter quelque chose. Voilà. Il va tenter de banaler avec, euh, avec Eric Zemmour et ses copains. Euh, alors, Jean-Louis Borloo, lui, qui est toujours prêt à rendre service, il s'est attelé une note pour améliorer la gouvernance et les circuits de décision en France, qu'il souhaite proposer à Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Voilà. Donc, lui, il est open bar. Lui il dit moi, moi, je suis de loin. Euh, je suis un peu en l'odeur de la vie politique. Et je m'occupe de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les. J'adore cette page de. de, de... De, de challenge. Voilà. La macronie de gauche phosphore. Pour alimenter le programme, l'aile gauche de Macron, territoire de progrès, présidée par Olivier Dussault, l'excellent Olivier Dussault, propose une retraite minimale au SMIC. Tiens, on dépasse les 1000 euros quand même, c'est chaud. Un impôt sur l'héritage alourdi pour les plus riches, bien sûr, et un Erasmus des territoires entre jeunes urbains et jeunes ruraux. Alors, plutôt que d'aller faire euh, ton Erasmus. Euh, euh, en Italie ou en Espagne ou je ne sais pas moi, en Allemagne, tu vas aller dans euh, la campagne. Voilà. C'est comme ça, c'est un petit truc tout, tout comme ça. Et un service universel de 6 mois. Alors, la revanche de Stan Guérini. Alors, Stan Guérini, on se fout de sa gueule depuis tout le temps parce qu'on pense qu'il ne qu ferait pas la campagne électorale. Mais là, la revanche de Stan, il faut savourer sa petite revanche. Stan Guérini, délégué général de l'REM, le Conseil constitutionnel a validé dès sa deuxième livraison 529 parrainages d'élus qui légitiment la candidature d'Emmanuel Macron. Puisqu'il vient de plus de 30 départements ainsi qu'il exige les textes. Personne ne s'attendait à ce que le parti gazeux. Hein vous avez vu, on a un parti gazeux, mais on a 529 par étage. Voilà, comme le moque ses adversaires. On est un vrai parti politique. Voilà. On est comme ça. Donc il est content, Stan. Il est super content. Voilà. Alors, Anne Hidalgo, elle dit que Christiane ne n'ira pas jusqu'au bout. Voilà. Euh, et la nouvelle campagne peut commencer. Donc euh, c'est dans 70 jours les élections, je pense, euh... Anne, il va falloir, euh, va falloir vous dépêcher. Et puis, il euh, y a deux lapsus qui sont rigolos, que je n'avais pas vu. Donc, Eric Zemmour qui a dit Je vois que ce que je ne crois. Voilà. Donc, c'est euh, Je ne vois que ce que je crois. Donc, c'est Saint Thomas, bien entendu. Euh, Saint Thomas d'Aquin, si je ne dis pas de bêtises. Et Christiane Taubera qui a dit Merci d'être dès demain les chevilles ouvrières d'une possible victoire en 2002. Voilà. Donc, c'est rigolo, elle y croit beaucoup. Et Eric Zemmour, effectivement, ne, 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 ne voit que ce qu'il croit. C'est évident. Voilà, le grand remplacement, tout ça. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a de marrant Et puis il y a ça qui m'a fait, fait rigoler, euh, pour finir, dans son programme culturel qu'elle devrait dévoiler en mars, Valérie Pécresse proposera la suppression du pass culture, qui est mal utilisé, parce que ce qui les rend dingues, mais dingues, chez les, chez les républicains, c'est que les, les, les jeunes achètent euh, des mangas. Voilà. Ils n'achètent pas, euh, pas, je ne sais pas moi, des trucs bien français, bien de chez nous. Quoi. Donc ça, ça les, ça, le, le pass culture, ça c'est un truc chez les républicains, ça les rend fous. Donc voilà, on va, voir le, le, on va voir le programme qui devrait arriver en mars, hein, ça serait bien, parce qu'on va voter peu de temps après, il faut qu'on ait le temps de le lire. Voilà, c'est Saint-Thomas, pas Saint-Thomas d'Aquin. Merci, euh, merci de, de corriger mes, mes bêtises. J'étais sûr que Saint-Thomas d'Aquin, mais c'est Saint-Thomas qui, lui, ne croit que ce qu'il voit, contrairement à, à Éric Zemmour. Paris Match, j'étais sûr et sûr qu'on aurait une couverture, on avait parlé avec Alexis, d'Emmanuel Macron en, en Ukraine, en train de serrer la louche de Poutine et, et de faire du dressage de russes. Pas du tout, c'est Madame Tapie qui serait ruiné, voilà donc euh, un, bel article, un bel article sur, sur Madame Tapi. Bon, on s'en fout un peu. On va parler de enfin, on s'en fout un peu. Je désolé pour elle, hein, mais voilà. Au secours de l'Ukraine, voilà. C'est euh, vous ne voyez pas de toute façon la qualité tellement mauvaise. Je vois le retour de ce que vous voyez. On dirait un, on dirait un tableau de, de pointillisme euh, des années 30 à peu près. Donc, au secours de l'Ukraine, voilà. Au secours de l'Ukraine, tac. Alors, ils nous refont le coup des photos vues d'en haut. Donc, ça, c'est des photos des services secrets américains qui adorent nous montrer des photos pour nous montrer qu'en fait les Russes ont attaqué. Et alors là on dit, ah ouais, ok. Ouais, yeah. okay. Il y a les Russes, c'est clair. Quand on vous voyez ça, vous, vous dites c'est obligé. Vous savez, c'est comme le super canon géant de Saddam Hussein qui était à flanc de montagne et qui pouvait aligner Madrid, Paris et Londres dans la même, euh... même trajectoire. Ouais. Donc les Américains qui, ont... qui sont extrêmement vite en guerre. Voilà. Le déploiement massif de troupes russes n'a pas échappé aux satellites américains. Ici, des baraquements à Rechitsa, à 60 km en nord de la frontière ukrainienne. Bon, si les fait... Américains le disent, hein, ça, doit être, euh, ça doit être vrai. Vous hein. voyez, il y a 150 missions ouais, et 150 silos de missiles. Il y a, des, il y a un sous-marin aussi qui est caché là, on le voit, on le voit par là. là c'est un sous-marin en fait. Vous voyez ce qu'on voit, c'est un sous-marin. Et euh, bah, c'est fantastique. Ouais. Bon, la, la, puissance des, la puissance des images. Euh, est complètement dingue. J'ai pas d'opinion hein, sur le sur le précise sur le sur le mouvement que les Russes veulent faire. Euh, C'est principalement une histoire pour pour garantir des, des, des oléoducs et des gazoducs, des gazoducs surtout des gazoducs. Voilà. Ouais. Euh, mais euh, mais je me méfie des, je me méfie beaucoup en tout cas des images fournies par les secrets américains. Voilà. Je m'en méfie. Je sais pas. C'est comme ça. Et puis voilà on a cette photo qui était qui a fait la, la une de tous les réseaux sociaux donc là on voit dans l'ombre on voit dans l'homme qui arrive on dirait James Bond qui vient parler à un méchant il vient parler à qui il a, il a Vladimir Poutine qui l'attend voilà qui est ici qui lui fait bienvenue monsieur Bond voilà, il, est, il est content comme tout la, la photo est top tout est préparé et puis c'est euh, un peu foutu de sa gueule voilà, il, a dit, il a écouté bien sagement il a son petit casque sur les oreilles avec le traducteur voilà, notre président, il a fait, euh, il a fait, il a fait, il a fait le cours de théâtre de, de, Madame, de Madame Brigitte Macron. Il a parlé très comme ça, il était très un petit peu condescendant, mais avec beaucoup d'humanité, de chaleur et puis d'importance, et de condescendance, mais aussi de, de force. C'était un, 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 une très belle prestation. Euh, je pense qu'il s'est fait plaisir. Voilà, je pense que ça a servi à, à rien. Voilà. Euh, lui, il a été très poli, il a été très gentil. Il a écouté, il a fait le mec, d'accord, ok, bon. Après, il s'est tiré, faire autre chose. Et euh, peut-être l'homme le plus riche du monde, euh, Vladimir Poutine, et il s'est barré faire ces faire trucs. Voilà, euh, Voilà, il est venu, le Micron le con. Je ne sais pas, Macron est devenu Micron le con ouais, je ne sais pas. Je, je vous lis à tous. Voilà. Rapidement dans le monde que j'ai lu hier soir. Euh, alors, ça c'est rigolo, ça n'a aucun fil conducteur cette émission. Dès qu'on va avoir des gens pour nous aider, il y aura des vrais filets conducteurs, vous verrez, ça sera mieux. Euh, il y a le, le premier ministre euh, luxembourgeois, et nous sommes 500, c'est hallucinant, euh, qui a renoncé à son diplôme. Voilà, parce qu'en fait, il avait fait un, il avait fait un, un mémoire de droit euh, qui était complètement bidonné, en fait. Il y avait sur 56 pages, il y en avait deux qui sont complètement attribuables à lui. Il avait fait un copier-coller de plusieurs travaux. Et ça s'est vu, en fait. C'est le, le reporter en ligne euh, Reporter.lu pour Luxembourg, voilà, qui affirmait que plus des trois quarts du mémoire rédigé par M. Bethel avait été composé de passages empruntés in extenso à des documents que le jeune étudiant n'avait pas jugé utile de citer. Le futur homme politique avait entre autres fait une très large copie-collée d'un rapport de l'eurodéputé grec, Georios Anastopoulos, de 1998. Il avait repris mot pour mot des extraits du site internet du Parlement européen sur 56 pages. Seuls deux sont intégralement attribuables à son auteur. Voilà. Donc, euh, donc je dit bon ouais, écoutez, je m'en fous. Voilà. On n'a qu'à dire que j'ai pas le diplôme, et puis j'en ai rien à branler. Ça, ça s'est passé comme ça, mais c'est toujours rigolo. Voilà. c'est toujours, toujours, rigolo. Et puis, euh, c'est beaucoup moins rigolo. Il euh, y a une vidéo d'une femme esclave qui est en train de, de foutre un petit peu en l'air, enfin de foutre en l'air. Non, il faudrait surtout pas, nous dit Xijin. Euh, Éditorialiste du Global Times, cette affaire ne doit pas ternir la réussite des Jeux Olympiques. Non, ça, attention, il ne faut pas tout mélanger. Euh, là, c'est la magie, ce qui se passe aux Jeux Olympiques. Ça, ce n'est pas bien. Voilà. En fait, ce qui se passe, tout est parti d'une vidéo postée par un YouTuber sur les réseaux sociaux le 28 janvier, tournée dans le comté de Feng, un village euh, dépendant de la ville de jusu la province de Jiangsu. Je ne suis jamais allé en Chine, je ne vais plus regarder une carte, je ne sais pas où c'est. Elle montre une femme enchaînée à un mur dans un hangar euh, ouvert sur l'extérieur, elle a perdu de nombreuses dents et à proximité sa nourriture est gelée, elle semble folle, et selon la vidéo, elle est mère de 8 enfants âgés de 2 à 23 ans. Voilà. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que loin d'être unique, euh, un internaute affirme que euh, dans cette ville, donc ville de 9 millions d'habitants, composée de nombreuses zones villageoises, pas moins de 48 100 femmes auraient été achetées par des paysans dans les années 80. D'autres affaires comparables au fond surface notamment le cas d'une femme de Sichuan, achetée puis enfermée pendant 15 ans par deux frères en Mongolie intérieure. Voilà. Donc, euh, c'est donc, donc monstrueux. Qu'est-ce qu -ce, qu -ce que vous voulez que je vous dise euh, C'est monstrueux. Et euh, ça emmerde la Chine parce que, euh, voilà, il faudrait surtout, 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 surtout pas qu'il ne faut, euh, faut pas qu'on en parle. Voilà. C'est des choses qui ont été couvertes, qui ont été tolérées euh, par... Euh, par, euh, par le régime chinois. Des, des, des exactions comme celle-là. Et ils sont très emmerdés aujourd'hui parce qu'il ne faudrait surtout pas, surtout pas. Ces beaux les Jeux Olympiques, avec cette fausse neige, avec. avec euh, je déteste les Jeux Olympiques, je ne supporte pas les Jeux Olympiques. Je, je, ça n'a pas de sens pour moi, encore moins en ce moment. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, c'est donc, horrible. Et puis ensuite, alors ça, ça c'est prodigieux. c'est le, le monde, de temps en temps, a des petites merveilles. Euh, manger sainement augmenter l'espérance de vie. Ah tiens, c'est bizarre. Euh, pas manger de merde euh, fait, fait vieillir mieux c'est curieux donc ils ont fait des études ils ont fait des statistiques ils ont mesuré sur longtemps donc euh, ils ont vu hein, quand on est pauvre et qu'on mange de la merde et ben on vit moins longtemps et quand on est riche et qu'on mange un petit homard de temps en temps puis qu'on mange pas trop ben, on vit mieux c'est curieux hein. c'est voilà il y a le bio et euh, le bio c'est mieux bizarrement les, les glyphosate, c'est pas terrible mais voilà on peut commencer à faire ça euh, voilà, c'est fou. Voilà, Alors, ça y est, c'est prouvé scientifiquement, maintenant on peut dire, ah, ouf, voilà. on s'en doutait un peu quand même. On s'en doutait un petit peu quand même. Le régime permettait de réduire le marqueur du stress oxydatif, un phénomène impliqué dans différentes pathologies chroniques, telles que les cancers, telles que... Voilà. C'est euh, le, le monde qui le dit. Donc, ouf. Voilà, on en est sûr. Et puis à cette photo, j'ai vu qu'il y avait des gens de, 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 de Dijon qui étaient là tout à l'heure, euh, ville, ville chérie d'Alexis. Euh, Emmanuel Macron chasse aussi à gauche. Voilà, donc là il est avec Reb Zamen qui était un super copain de de, de, de François Hollande, de l'ancien patron de, 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 de Macron. Voilà, donc ils sont copains comme cochons. Ça c'est en juin 2019. Ça ils sont, ça ils sont. Voilà. Donc apparemment à gauche, à droite c'est fait. Voilà, il y a l'ouvrier qui a la manœuvre. Et là on a. Euh, et là, on a, là, ils essaient de récupérer un peu à gauche. Donc, ils ont le programme, avec euh, on va taxer un peu d'argent riche, on va augmenter un petit peu le minimum de la retraite. Ils vont espérer de faire, un, de faire le même coup qu'ils ont fait il y a 5 ans, mais en mieux, je pense. Puis là, ils vont plus à venir. Le, le, le bruit de la gamelle est plus, plus précis. Ensuite, dans le monde, euh, donc ça c'est le monde d'aujourd'hui, enfin daté d'aujourd'hui, mais d'hier, d'hier soir, euh, donc il parle de Blanquer, hein, qui a entamé son crédit. Au fil de la crise sanitaire. Donc, le, 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 le journal est persuadé que ce type a encore un peu de crédit, que Blanquer a encore un peu de crédit. Alors, chez les gens de droite qu'il adore, hein, parce qu'il a dit qu'on va réapprendre aux au jeunes à parler français. Les gens de droite adorent Blanquer. Blanquer est très à droite. Hein, C'était le, le type, qui voulait, euh, qui voulait que les, les enfants agressifs à l'école en petite section soient fichés. Parce que quand on est agressif en petite section, on est, euh, on est, euh, on est, euh, on est forcément violent toute sa vie. Voilà. Bonjour Antoine, bonjour à tous. J'arrive à vous choper en live, mais très en retard. Ben oui, très, nous aussi, moi aussi, je suis très en retard. Tu, tu... un cauchemar, un grand cauchemar, voilà. Et puis euh, les maths, c'est ou pas ou encore, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc finalement, s'il va remettre les maths, ah, il s'est dit qu'il va, il va, réformer sa réforme. Il libère l'énergie. On appelle ça un double, une double, libération d'énergie. On libère l'énergie en enlevant les maths en, au tronc commun, voilà, dans les, les filières classiques. Et puis ensuite, on, on relibère l'énergie en remettant les maths. C'est une sorte d'explosion thermonucléaire de la libération d'énergie. C'est un énorme foutage de gueule, une fois de plus, de, de cette personne qui est nulle, en fait, il est juste nul, il est malfaisant et nul, Jean-Michel Blanquer, c'est un piètre communicant euh, voilà, il a concédé qu'il faudrait faire évoluer l'enseignement scientifique du Trou commun, voilà. donc c'est, euh, il va falloir réajuster la réforme. C'est Jean-Michel Blanquer, c'est tout lui. Voilà. Il, il réforme la réforme, ça, ça s'arrête jamais. L'important, c'est un mouvement de réforme. À un moment, on dit jamais, c'est jamais fini, ça s'arrête. Jamais, 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 jamais. Merci pour les nouveaux followers qui arrivent. Il y a eu 10 followers aujourd'hui, mais c'est euh, complètement fou ici. Voilà. Incroyable. Incroyable, et surtout, le, 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 le truc qui est dingue, c'est que ce ministre a du crédit. Alors, je ne suis pas universel, hein, mais... Je, je, je connais quelques profs issus de milieux populaires différents, issus d'opinions politiques différentes. Tous, que ce soit de droite, de gauche, de très à gauche, me disent que c'est un clown, Jean-Michel Blanquer. Voilà. Tac. Et puis, euh... alors la Tour Eiffel, il va y avoir un réaménagement du site de la Tour Eiffel. Il y a 7 millions de personnes. Le Conseil de Paris a donné son autorisation. 7 millions de touristes qui visitent la Tour Eiffel, donc il y avoir des travaux. Donc ça va fermer pendant quelques années. Et puis, énergie trois nouveaux réacteurs nucléaires à l'arrêt pour suspicion de corrosion. EDF va arrêter trois réacteurs nucléaires supplémentaires pour vérifier la présence éventuelle de problèmes de corrosion, ce qui constitue une nouvelle dans le contexte d'approvisionnement électrique tendu cet hiver. Voilà, le réacteur de Chinon, Catenum et Bugé euh, seront arrêtés au cours des prochains mois selon les données publiées sur le site de l'EDF du 8 février. Cinq réacteurs sont à l'arrêt sur un total de 56 pour ces mêmes problèmes. Donc, il y a quand même chez EDF un un, un sous-investissement dans l'entretien de centrales nucléaires bon là ils arrêtent hein, c'est en train de rouiller donc on, on va c'est bien d'arrêter hein, je dis pas que c'est mal d'arrêter mais en tout cas c'est euh, en tout cas c'est euh, inquiétant ça fait 10% hein, ça fait 5 5 non c'est plus que ça 5 plus 7 c'est plus on a plus de 12% de, nos, de notre force de frappe nucléaire euh, énergétique qui est en rade c'est quand même euh, c'est quand même euh, pas terrible voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a des records saisis de Bitcoin et trucs comme ça. Et puis, euh, les marques à l'assaut du métavers. Voilà. Donc Banksega, Nike, en passant par Adidas, Carrefour. Les grands groupes investissent de nouveaux univers virtuels afin d'attirer d'autres publics et clients. Voilà. Donc c'est le, le, le grand truc. Les mecs se sont dit, on a raté le Bitcoin, on a raté les crypto-monnaies, on a raté un paquet de trucs. On veut être premier sur le métavers. Bon, moi je me suis toujours planté en prédiction, je suis nul, mais je n'y crois pas du tout au métavers. Je... Les mecs sont en panique complète. Euh, et euh, donc voilà, le secteur pourrait générer 800 milliards de dollars de revenus dès 2024 selon Bloomberg okay, Donc le métavers je vous dis c'est un truc virtuel. Vous avez un casque ou pas de casque, vous avez votre petite maison, vous avez votre titre de propriété en NFT pour dire que c'est bien vous, vous avez votre copie de sac Hermès, vous avez votre vrai Hermès avec le vrai NFT, vous avez le, le vrai Vuitton, vous avez Balenciaga en tout cas, on est dessus, là c'est une affiche du jeu Fortnite. Ben Sieget est un des premiers à vendre des euh, avec Montclair, les, les, les doudounes. Voilà. Donc, euh, ils sont tous euh, ils sont tous sur ça. Euh, dans, dans, les, dans le challenge, je suis pas allé jusqu'au bout, mais Bernard Arnault il dit qu'il faut investir, mais euh, il ne comprend pas. Hein. Il dit, mais on va investir quand même, on va mettre quelques, quelques blés. Et Carrefour, la semaine dernière, a acheté sur... Euh, J'ai oublié le nom de... Parce qu'en plus, il y a pas un métavers. Il hein. y a plusieurs métavers. Il faut investir dans le mon, mon métavers hein. C'est... Euh... C'est là où il faut pas se planter parce que s'il y a le métavers où il y a personne, c'est bah chiant d'être propriétaire pour pour cher d'un truc foireux. C'est dommage. Donc c'est The sandbox. Voilà. Ils ont acheté Carrefour a acheté un peu de un peu de un peu d'espace parce qu'ils va mettre une application pour faire du, de, de l'étiquetage d'œufs. J'ai lu ça rapidement. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Euh, attention après moi je dis pas que je dis pas que c'est euh, je dis pas que les NFT c'est il y a plein d'usages du, ultra cool aux NFT moi je, je suis un peu technophile euh, mais c'est le langouement immédiatement pour des marques pour du marketing qui tout de suite vont se mettre sur des trucs là sans forcément comprendre il euh, y, y a plein de trucs super intéressants euh, que les technos autour de la blockchain peuvent peuvent résoudre pas tout mais, mais certains trucs et puis on va finir par euh, alors attention ça va ruser je vous préviens on va finir par euh, voilà par c'est pour ça que Total fait un petit, un petit geste euh, commercial euh, 137 milliards on partage voilà donc le CAC 40 largement aidé par l'État durant la crise euh, les plus grandes entreprises cotées en bourse ont réalisé en 2021 des profits historiques qu'elles ont majoritairement reversés aux seuls actionnaires oh, bah, mais... C'est un truc de base. J'avais une, une collaboratrice en alternance chez moi que j'aime beaucoup, qui, euh, en fait, dans sa formation, on lui explique pas comment ça marche le capitalisme. Et elle, elle dans, dans sa tête, c'était pas clair que le but d'une entreprise, c'est de redistribuer l'argent aux actionnaires. C'est le seul but, c'est le, 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 le but dans, 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 dans la chaîne économique, l'entreprise, son rôle principal, premier, c'est de redistribuer la richesse aux actionnaires. C'est tout. Quand on le sait, on voit les choses clairement et on peut discuter et on peut, euh, on peut certes le critiquer. En tout cas, on voit les choses. Et donc voilà, aujourd'hui c'est les chiffres. Alors attention, ça va ruisseler les... Ça. Alors ne voyez rien parce que je pense que je suis encore dans des, dans des qualités complètement cadastres. Ah, vous voyez rien. Hein vous voyez que dalle. Vous êtes 518 têtes là. C'est incroyable. Donc, on a ici, si on regarde bien... Voilà le traitement des actionnaires à géométrie variable. Alors, sur, par exemple, 12, euh... Euh, Attendez, je ne vais pas me tromper. D'accord, rachat d'action des sociétés du... c'est les rachats d'action. Oh putain, c'est fou. Donc, sur 12 milliards qu'a fait L'Oréal, qui est le grand gagnant du, du jeu. Hein. Voilà. Le grand, grand, grand... Euh... C'est du foutage de gueule à monde moderne, vous pouvez le dire. Hein. Sur le grand gagnant du jeu, là, de l'auto-bingo de l'année dernière, L'Oréal, ils ont gagné 12 milliards d'euros. De, et ils vont euh, verser, pardon, je déconne, ils vont verser 12 milliards de, 12 milliards de, comment on appelle ça, de, de, de dividendes. Total 7 milliards, Sanofi 4 milliards. Sanofi pourtant, l'Ivénigilis euh, avait vendu un vaccin, ils étaient foutus d'en faire. Hein. Stellantis 4, voilà, ArcelorMittler euh, 4. Et alors il y a un truc intéressant et on va finir sur ça aujourd'hui. Cette petite revue de presse, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est parce qu'on a commencé à des heures indues. Il est, euh, il est 10h30. Voilà, on, a, enfin, on aura fait quelque chose de, de relativement court et chaotique. Euh, ça fait comme 50 minutes qu'on qu bricole ensemble. Euh, voilà, le truc qu'il y a de fou, donc on voit les, les bénéfices qui sont doublés. Hein. On voit les bénéfices qui sont là. Donc on a 2019, 2020, 2021. Voilà, Il on voit qu'on s'est refait la. En effet, mieux que 2019. 2020, on double pratiquement. Donc euh, Total Energy, c'est 15 contre 7,3. C'est pile le double. Un peu plus du double du reste. Euh, bon, LVMH, c'est magnifique. Hein. C'est presque plus de 3 fois. Non, pas plus. Presque 3 fois. Bon, bah, on voit, ça, ça fait du... Bon, Sanofi, ben bah, ouais. Sanofi, un peu casse-gueule quand même. On avait beaucoup d'espoir, mais non. Bon, en tout cas, voilà. Ça fait du fric tant qu'on veut. Et il y a un truc qui est intéressant. C'est euh, le, le concept de rachat d'action. Alors, certains doivent comprendre le truc. Certains savent sûrement, je ne vais pas forcément vous apprendre grand chose, mais c'est un truc qui est important. C'est un mécanisme qui est fantastique qui permet de dire bon, bah, avec tout ce pognon qui gagné l'entreprise, on va d'abord reverser des dividendes à, à, aux actionnaires, donc c'est la prime qu'ils ont. Et puis ce que fait l'entreprise aussi, c'est qu'elle rachète ses actions. Donc elle va sur le marché et elle rachète les actions. Et quand elle rachète ses actions, elle les détruit. En fait, elle crame du pognon. C'est comme si... Ouais, elle crame du pognon. Et ce pognon, il est, il est cramé, il n'existe plus. Par contre, étant donné que vous avez diminué le nombre d'actions de votre entreprise, les actions, elle augmentent. Et c'est comme ça que vous augmentez les gens qui possèdent les parts de l'entreprise. Voilà. Euh... C'est de l'argent qui ne sert qu'à ça, complètement artificiellement. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de ruissellement, hein. rassurez-vous. Hein. C'est des... des conneries, tout ça. Euh... Le Covid a profité à certains et, euh, et voilà on en est voilà les 40 entreprises du CAC 40 donc voilà cette petite revue de presse qui finit sur, euh, sur cette euh, sur cette conflète des actions ouais, sur cette vente euh. c'est pas exactement ça par contre si, tu sais un peu ça quand même je, je, je lis le truc l'argent virtuel qui crame de toute façon c'est du vrai pognon parce qu'ils le dépensent, hein. ils les achètent sur les marchés, c'est de la, le vrai argent d'entreprise qui, qui est cramé. C'est de l'argent qui aurait pu acheter quelque chose. Ça, ça détruit de la richesse en fait, qui est transférée automatiquement sur les, sur les, les porteurs d'actions. Voilà. Euh... Ainsi s'achève ce moment particulièrement chaotique de la revue de presse du 10 février 2022. Je vais euh, appeler mon service technique Orange, je vais appeler Stéphane Richard, qui a un peu de temps libre apparemment. On va essayer euh, de, euh, de, de faire mieux jeudi prochain, d'avoir euh, déjà pas la crève, ça sera mieux, d'avoir directement un son qui va mieux et une image qui est de bonne qualité, parce que j'ai le matériel pour, j'ai la bande passante pour, un peu de manque de compétences peut-être, et puis pas de chance. Voilà. Merci d'avoir été là. Euh... C'est tout con, hein, ce que je vous dis, mais euh, c'est très spécial de faire cet exercice avec vous et euh, ça fait chaud au cœur. Voilà, sachez-le. Passez une bonne journée, passez une bonne fin de semaine et demain, Alexis revient et il euh, y aura Timmy, il y aura toute la fine équipe. Je vous embrasse à tous, avec les gestes de barrière, bien sûr. Ciao.